Bonjour à tous et à toutes, je suis Luis et bienvenue pour la suite de Breath of Fire 2. La dernière fois à Musica, nous avons trouvé la flûte et nous nous sommes rendus à l'intérieur du corps de la princesse parce que pourquoi pas, un petit visite dans le corps humain, il était une fois la vie, afin de détruire la graisse, les enzymes, les anticorps, bref, tout ce qu'il faut pour qu'elle maigrisse. Ça dure un moment, mais on y est. Nous avons donc pu avoir l'oreiller thérapeutique, me semble-t-il. Oreiller thérapeutique, je me disais, mais attends, il y a un autre personnage qu'on a croisé, qui a besoin de quelque chose. Et en fait, oui, je me souviens. Il fallait que je recherche Aspa, et j'ai pris l'End aussi, donc j'ai changé mon équipe. Notamment pour que l'End et Aspa prennent de l'XP. On va s'y rendre. En fait, je sais où je dois aller. Je vous jure que je sais. C'est là en fait où je me suis rendu il y a un petit moment. En gros, je vais retourner là où il y a plein de forêts. Faut juste que je me repère. Attendez, la carte. Alors, plein de forêts, c'est juste au-dessus. Vraiment juste au-dessus de cet endroit. Alors qu'il fait nuit. Voilà, ici. C'est là où je dois aller. Et normalement. Bon, non, ça c'est. C'est la baie. Vous en faites pas, c'est normal. Et normalement. Si je mets Aspa, donc Michel. Et d'ailleurs, j'ai équipé l'End et Aspa de leurs nouvelles armes. Pour qu'ils aient un peu plus d'attaque. Normalement, l'arbre, il est là. C'est cet arbre-là que je dois aller voir. Vous allez voir. Attention au doublage. J'espère que vous êtes prêts. Ganduluf. Ça sonne dans la guéchère boutique. Il a voulu venir dans mon esprit. Oui. Nous sommes dans l'esprit d'un arbre. Oh yeah. Oh yeah. Alors. Oh, regarde-moi cet esprit. Esprit. Alors, visitons. Alors, attends, non, on va faire autrement. Où suis-je? Songe. Oh, mais songe. Et non pas songe d'une humilité. Ah, mais en fait, c'est un vrai endroit. Genre avec du vrai XP, des vraies personnes. C'est ma vie de mémoire. La ville où j'ai grandi est un est. Très bien, très bien. On peut acheter. D'ailleurs, j'y pense, j'ai racheté des trucs. J'ai racheté de l'équipement, ne vous en faites pas. J'ai racheté du soin. Le soin important, l'INN. Alors, sachant, on est dans les songes, donc tout est réel, je pense, mais... Est-ce que les objets que j'achète dans les songes sont réels aussi? Quelque part dans ce monde, il y a une tour mémoire, où d'importants souvenirs sont conservés. Ah, je dois donc créer la tour mémoire. Dans les songes, les tréfonds, les souvenirs, et tous les synonymes que vous pouvez trouver. Il y a une maison là. Ça fait très désert par contre ça. Cet arrière-plan. D'accord. Et là il y a quelqu'un de prisonnier. Je dois faire attention avec mes S et mes T. Ah si je ne fais pas attention, mes T et mes S sonnent comme des ch. C'est un indice. Je suppose que cela est un indice. On peut passer par derrière. Je le vois. Je le vois, je me doute qu'on puisse le faire. Pas ici, pas ici, pas ici. Non. Je ne peux pas passer par l'arrière ni sur les côtés. Ok. Donc là, je ne sais pas si je peux sortir. Écoutez, tant pis. Si j'ai fait une bêtise. Est-ce que je peux aller par contre au niveau des cascades et tout ça? Non, je ne peux pas. Alors, je sors. Oh. Waouh, waouh, regardez bien cet effet, c'est trop beau. Ah, il y a des monstres, je m'attendais à ça. Alors, on a... Oh bah ça va. On a des monstres classiques. Donc ça va aller assez vite. Je vais faire les combats quand même pour l'XP. Pour Aspa et l'End. Parce que je rappelle que là, clairement, il y a 10 niveaux de différence. C'est pas une lag, c'est vraiment 10 niveaux de différence. Aspa, tu as des sorts, je crois aussi, oui. Et l'End.
Lundi là, il a quand même des trucs, mais il sert surtout pour soigner et attaquer. D'XP. C'est bien quand même. Alors, je suppose que je n'ai pas de carte. Je n'ai pas de carte. Et une petite maison. La petite maison qui ressemble beaucoup au cœur. Donc j'ai eu son, maintenant je suis au cœur. Si vous allez au nord, vous pouvez retourner à la ville où vous étiez quand vous étiez plus jeune. Ouais. Là aussi, il y a des soins. Donc ok, donc là, c'est des villes. D'accord, pour le moment je comprends. Voulez-vous entendre parler du clan du dragon? Ah ben oui, un petit peu l'histoire. Il y a longtemps, il y avait une tribu de dragons. Ils avaient d'énormes pouvoirs, assez pour détruire le monde. Mais un jour, ils ont disparu. Pourquoi? Où sont-ils allés? Personne ne le sait. Et ben et donc, c'était une très très grande histoire. Merci Michel Souvenir. Ah, là, c'est une maison jaune. Tout à l'heure, je crois que c'était violet. Alors, même décor. Pareil, même décor. Voulez-vous connaître mes mémoires? Oui. Lorsque j'étais encore jeune, j'ai rencontré le clan du dragon. J'ai su qu'ils avaient une importante mission. Ils ont disparu peu après. Je me demande ce qu'était cette mission. Vous ne m'aidez pas. Du tout. Mais a priori, il y a une tour, on doit aller à la tour parce que c'est un donjon, tu comprends. Voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu, donc on va aller au nord. Je vais quand même vite fait aller voir l'INN. Qu'est-ce que je peux faire? Reposez-vous avant votre quête. Ah, repos gratuit. Eh ben écoute, pourquoi pas. Ça me pâtit que tout ça, je vais vite fait check. La boutique, du coup. Ah merde. Oh, pardon. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Voulez-vous connaître l'histoire du démon? Il y a un démon qui vous contrôle le cœur lorsque vous êtes vulnérable. L'apparence et la personne ne changent pas beaucoup, mais l'esprit appartient au démon. On ne sait pas à quoi il ressemble, mais je suis sûr que c'est lui qui m'a rendu truc. Je vais trop vite. La légende, oui. Quand la tragédie touchera ce monde, des gens braves guidés par un dragon apparaîtront. Mais le clan du dragon n'existe plus. Cette légende n'a donc plus aucun sens. Ok, donc là on est sur l'histoire. J'ai zappé sans doute deux légendes. Dommage. On va aller au-dessus. Oula! Attendez, parce qu'il y a des trucs à aller voir. Bon, si c'est que ça comme ennemi, on va pas aller loin. Ah! Des ennemis faibles. Bon, bah pourquoi pas? Hein? Je gagne de l'argent dans les combats, dans les songes d'un arbre. Oui, mais pourquoi pas? Écoutez. Voilà, c'est possible. Ah! Ça par contre. Oh non, j'ai raté XP gratos. Alors. Ok. Oh, bienvenue, c'est la ville de mémoire. Quoi? Il y a trois villes? C'est étrange. Il ne devrait y avoir que deux villes. Oh oh oh, il se passe des choses. Voulez-vous sortir de l'esprit? Ah, non. Qu'est-ce que c'était au fait? Oh, c'est exact. Alors dans ce cas, ça sera... Bienvenue. Et là, j'achète des trucs. Donc j'ai quand même beaucoup trop de soins. Je vais prendre trois noix quand même. La fumée sert à rien, les objets ne servent pas du tout. Ne servent pas du tout.
Donc là, j'ai acheté des objets qui me servent réellement pour moi. C'est compliqué. C'est bizarre même. Très très bizarre. Avez-vous trouvé la tour? Je crois que vous pouvez la voir depuis le lac à l'ouest. Ok. Bah d'accord. Très bien. Très bien, très bien. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais je m'embarque. Barque, lac. Ouf. La bonne blague, grâce. Eh petit. Eh vas-y, descends. Eh Manu, descends. Merci. Hein? Qui êtes-vous? Est-ce que je suis Gandalf? Oui, c'est moi. D'accord. Bon, faut que j'aille à la tour. Ok, j'ai compris, c'est bon. J'ai compris, je vais à la tour. Mais. Parce que quand même, il y a un mais. Hein, dans cette histoire, je vais faire une save. Qui me sera sans doute. Fatale. Mais qu'importe. Que voulez-vous du dragon? Petite save. Oui, je suis prudent. Ne t'en fais pas, mon ami le dragon. Alors. Donc, si j'avais cas, j'aurais traversé ça, mais j'ai pas envie. La musique ne change pas, par contre. Ah, il y a un truc là. J'ai repéré quelque chose. Attaque surprise, c'est pas ça que j'ai repéré. Non. Pas du tout. Oula, il se passe des choses. Ah! C'est la Rome. C'est la Rome. Alors par contre, là, je ne peux rien faire. Suis-je bloqué? Et je suppose que je dois prendre Ekal. Mais vraiment, c'est une supposition. Et que Ekal me permettant d'aller dans l'eau, me permettra peut-être d'accéder à quelque chose. Ça se trouve, j'ai mal lu le texte et en fait, on m'a dit tu peux y accéder à l'ouest. Vraiment, trop cool. Donc, ça veut dire qu'il me faut Ekal que je vais prendre à la place de Aspa. Parce que. Ce qui me semble logique quelque part. Non. Ah, d'accord. Très bien. J'ai pas le choix, j'ai zéro le choix. Bon de toute façon, quand est-ce que je vous ai rencontré, vous? Ah mais il a tellement l'avantage sur l'agilité et les vitesses. C'est moche. Bon de toute façon, le soin est gratos. Par contre, les ennemis complètement au hasard. Coup fort sur Nina qui résiste. Qui prouve qu'elle existe. Bon, et ben on va prendre Ekal et puis voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? De toute façon. Encore. Bon, de toute façon, si quelqu'un meurt, ça va. Je suis pas loin de la ville. Ça va le faire TKT. Ah, Nina est décédée. Non, mince zut flûte. Flûte zut. Oh là là. Ça fait déjà un quart d'heure que je me balade. C'est long. Ah, j'explore. Ah, laissez-moi explorer. Ah, d'accord. Je suis le magicien de Gandalf. D'accord, mais moi je me soignais, connard. Connard. Connard, connard, connard. Bon, d'accord, va très bien. Bon, c'est par là que je vais me soigner. Yeah! Il faut juste descendre. Ça va prendre 4 secondes, ça va. J'ai sans doute raté les informations dans le village à côté. Et peut-être que certains sont déjà en train de m'insulter en me disant « Mais vas-y, va au village d'à côté, connard, connard. » Et ben, on y va.
Alors du coup. Eh ben direct. Camalette. Balette. Comment? Pardon? Ah! Bon, bah je sais où je dois aller. J'ai trouvé. J'ai pas fait exprès. Ah bah là, Ah bah Nina, elle est morte. Je m'en fous. Là, faut que les deux autres, ils prennent un peu d'XP. Clairement. Mais pourtant, quand je suis allé, c'était une ville. Qu'est-ce qui s'est... À quel moment les gens se sont dit « Eh, on va changer. On va mettre une autre ville et un donjon. » Ah bon, d'accord. Vas-y. Ok, très bien. Bah, j'accepte. Écoutez, voilà. Ça va pas vite. Est-ce que t'as pas un gros sort? Non, tu n'as pas de gros sort. Et bah tant pis. L'end. Si, l'end. Éclair. Et il fuit. Il fuit tout. Ça, mais quelle saloperie. Pourquoi quand j'ai des strats, les gens ils me disent non? Oh! Bah je découvre un truc. Au moins je saurais. Donc, je sais où je vais aller. Je vais me soigner. Dans un premier temps. S'il te plaît. Oui. Mais en fait, il n'y a pas de tour. Qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que ce mensonge? Donc, je vais dans la fausse ville. Parce qu'a priori, c'est une fausse ville. Un faux souvenir, un mauvais souvenir. Oh, il y en a un que je connais. Bon, on va se le faire. Écoute, hein. Dans le doute. Au pire, je me prends 2 points de dégâts. 2. C'est quoi 2? C'est rien. Voilà, allez, hop, petit critique. Voilà, terminé. Merci, au revoir. Revenez plus tard. Bel angle droit. Alors, c'est quoi ça? C'est souvenir. C'est un souvenir. Quand vous vieillissez, votre vue se dégrade vraiment. Ah, je peux voir de loin, mais je peux pas voir de près. Mais ok. Mais je vous ai rapt vite. Je comprends, c'est un donjon à effet. Je crois. Je suis pas sûr. Aïe. Ah oui, aïe. Ça pique. Beaucoup. Il y a peut-être moyen que je pexe un peu. Alors attends, il y a deux coffres. Il y a deux coffres. Ok, ça va être chiant. Je l'annonce, ça va être chiant. Des sup larves. J'en ai déjà combattu. C'était quand? Alors là, le jeu qui m'apprend des choses. Je n'en ai aucun souvenir de ses ennemis. Ah, c'est pas niveau 20. Ah, premier level up. Merci. Est-ce que vous cherchez l'entrée? Je peux vous escorter pour 100 balles. Allez. Eh ben merci. Ok, c'est un truc payant. Ok. Ah, ça va être compliqué cette histoire. Ça va être très compliqué. Je vous assure que ça va être très compliqué. Faut que je me souvienne de ce donjon. Donc là, il y a un truc. Ok. J'essaye de faire de visu, c'est pas facile. Ça, je connais pas de mange. Un swap color. Voilà, on va appeler ça swap color. De limité. Et déjà, j'ai perdu 100 points de vie. Très bien. Mais why not, hein? Je sens que ça va être un donjon. Délicieux.
Bon, si je vais par là, je croise un vieux et il y a une sortie. Et est-ce que je dois vous escorter? Non, je crois que j'ai trouvé, Michel. Il y a quelque chose en bas. Mais quelque chose en bas, je l'ai vu, ne vous inquiétez pas. Je sais pas ce que c'est, mais je l'ai vu. Mais c'est complètement faible, ces ennemis. Alors, attendez. Ah, ok. Ok. Ah, non, ok, donc, il faut que j'aille ici. Faut que j'aille ici, je sais. C'est bon. Je me suis repéré. Cool, niveau 30. Là. Non. Si. C'est là d'où je viens, mais quel sac. Je vous jure, j'ai pas fait exprès. Donc il faut que j'aille là. Ok. Ok, c'est bon. On y arrive. Je vous assure qu'on y arrive. J'ai les objets. Alors ensuite. Hop. On va. Il y a un mur, ok. Ok. Il y a un coffre, j'ai raté un coffre, il faut que j'y aille. Qu'est-ce que c'est? Des petits Jack. J'ai déjà croisé ce genre de merde. Je... À un moment. Bon, Nina. Nina, franchement, t'as de la magie, utilise ta magie. D'accord, très bien. Qu'est-ce que c'est que cette défense? Voilà, problème réglé. Maintenant j'ai compris, ces attaques physiques ne marchent pas, les attaques magiques ça devrait être utile. Qu'est-ce que c'est que ça? Miam. Voilà qui que voilà des trucs que j'apprécie beaucoup. Ok. 5. On va dire que ça a 5 points de vie. D'accord, c'est que. Oh. Ça m'ennuie déjà. Si Nina elle décède, mais je vais pas être content. Bah voilà, je suis pas content. Ah, Nina, second souffle. Merci, Nina. Merci. Toujours vivant, toujours debout. Alors, du coup, Nina, on a des objets, autant les utiliser. Alors attends, normalement je peux aller en bas. Je peux. Ah, voilà, je peux aller en bas. Là, et là il y a un coffre. Ok. Putain, c'est... faut se repérer dans ce donjon. Ouah, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Bon, j'ai Ryu niveau 30, je suis safe. Nina, même si elle a un bon niveau, elle a pas beaucoup de défense. Vraiment très peu de défense. Et puis Lende et Aspa, bah, ils sont là pour prendre l'XP. Voilà. Ah, au moins je vois le coffre. Alors, est-ce pas obtenu un bol de soupe? Un bol de soupe. Augmente l'esprit. Ah, qui n'a pas beaucoup d'esprit parmi tout le monde? Esprit 80, je sais même pas à quoi ça sert l'esprit. Et bah de l'esprit pour... Je pense que ça doit être l'attaque magique. Ça doit être de l'esprit sur Nina. Un jour. Alors maintenant faut que je me souvienne où je dois aller.
Ah, punaise. Allez, voilà. C'est bon, terminé. Allez, au revoir. Merci d'avoir joué. Allez, paf Nina une fois. Paf Nina deux fois. Pourquoi Nina en première d'ailleurs? Heureusement que je les critique. Alors, j'estime. Ouais. 4 points de vie des petits Jack. 4 points de vie et pourtant ça donne pas trop d'XP. C'est un peu triste tout ça. Ça a l'air d'avoir beaucoup de magie par contre. Waouh, quel coup fort, 3. Ah, ça a quand même un petit peu d'argent. Il faut reconnaître que ça a un peu d'argent. Je me fais rétamer. Mais pas grave. Alors attendez, j'essaie de voir. Ok, donc je suis aveuglé entre grosses guillemets de 4 cases. J'ai fait un calcul, peut-être que vous l'avez remarqué, mais voilà. 4 cases, c'est. Ah oui, bon, d'accord, mais en fait, pourquoi je vous ai pris? J'aurais dû tellement vous faire farmer. Si j'arrive à finir ce donjon avec eux et qu'il y ait zéro mort, bah, je suis content. Orage. Ah! Éclair niveau 2. Trop bien. Oui, j'appelle ça éclair niveau 2. C'est comme ça. Éclair. Oui, c'est éclair niveau 1, quoi. Je prends tellement cher dans ma bouche, c'est indécent. Ah là là, sur des sites, ce serait très recommandé, mais là, c'est indécent, madame. Bon, bah, heureusement que j'ai pris beaucoup d'objets. 3000 XP. Ah bon, 3000 XP, on s'en est plus. Oh là 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 là, mais... Regardez ça, j'ai déjà liquidé 9 trucs. Donc là, il faut que... Encore un. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Alors, là. Ok, ok. Ici, faut que je monte. C'est une espèce de tour, mais... Faut le dire très vite, tour. Riposte, bah bien. Paf, tenter dans. Paf, tenter dans. Ah mais c'est ces machins qui me mettent tellement cher. Tu m'étonnes que j'ai mal. Bon bah... y a rien à relever. Voilà, y a rien à relever, c'est des petits dégâts. Alors... Je suppose que si j'en bats c'est pas possible, si je vais là... C'est pas possible. Ah, attendez, je peux avoir un coffre. C'est déjà ça, si j'ai un coffre. Je suis déjà heureux. Oui, bah, attaque-moi, t'as raison. Bon, moi, je récupère pour un truc, pour un objet de soin que j'utilise, je récupère assez pour m'en acheter 4. Obtenu 1000 balles, et ben, c'est bien. Alors, le coffre là-bas, ah, je peux y atteindre qu'en accédant à l'est, a priori. Je me fais tellement ouvrir. Oh là là. C'est bien, Nina, tu dis au fond. Inutile. Alors ici faut que je monte. Encore, mais c'est pas vrai. Pas me foutre la paix ça. Bon, déjà un. T'arrives toujours sur Nina, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi leur problème?
ensuite là, là, là. Il y a un coffre juste en haut, je vais le prendre. Et ensuite, il faut que j'aille tout à droite et que je descende. D'accord. À quel moment vous vous êtes dit non mais ok. Saleté. Mais grosse blague. Allez, Nina, au revoir. Merci d'être venue, Nina. Heureusement que j'ai des objets. Alors, objet. Je peux les racheter de toute façon. C'est pas un problème. Peut-être que j'en rachète d'ailleurs. Un moment. Non. Bon, de toute façon. Alors, le coffre qui contient un Knero. Un Knita. Un compte. Ça doit être compte. Exactement. Augmente l'attaque. Et ben, justement. Vu qu'on parle d'attaque, Nina va t'équiper de ce bonus de 10 points d'attaque. Est-ce que tu... ça te sert à rien. Ryu d'ailleurs, je peux l'équiper d'un sou. Je suppose que m'équiper d'un sou augmente ma chance. Supposition. Alors faut pas que je descende trop à droite non plus. Enfin en bas à droite. Normalement, avec 10 points en plus en attaque, ça doit être différent. J'ose espérer. Parce que j'en demande trop. Ok, ah ok, alors là, je peux avoir le coffre. Donc, on va déjà chercher le coffre dans un premier temps. Évidemment, si tu me fais éclair, tu me ralentis. Et pas qu'un peu. Ah, il y a une petite différence. Je l'ai vue. Elle est là. Elle est là, la différence. Non mais vraiment, à quel moment vous vous dites ouais non ça va, ça passe. Personne ne verra rien. Je sais pas. Mais en tout cas, si moi je le vois, ah il y a d'autres personnes qui vont le voir. Bah tiens, l'end, vu que bah, tu sers à rien en magie. Voilà. Alors, le coffre, il faut que j'aille... Non, ici. Ok, l'escalier est là. J'ai repéré l'escalier. Maintenant, faut que je trouve un moyen d'y accéder. Ah, pour une fois que c'était pas Nina. Pour une fois que c'était pas Nina, c'est l'autre qui s'y met. Allez, j'espère que vous appréciez ça. Moi, je suis en train de m'éclater, là. C'est le fun. Alors, un coffre qui contient un Mixtemel. Mixtemel qui est un bouclier. Alors... Oh, ok. Tu ne peux pas t'en équiper, évidemment. Tu ne peux pas t'en équiper, évidemment. Tu ne... Vous ne pouvez... Personne ne peut s'en équiper. Fichtre, à part peut-être Ekal. Alors, pour accéder à l'escalier. Je crois qu'à un moment, je vais peut-être faire une coupure. Je vais entraîner tout le monde. Parce que là, cette disposition d'ennemis ne me plaît guère. T'as fait un coup critique à 1. Qu'est-ce que... Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé, Nina? Oh, merci, Aspa. Bien, niveau 21, et tu fais des...
D'accord, pompe. Pompe. Absent les PVNI. Oh. Ah, pomper dans ce sens. Ah. Ah. Je peux sortir. Donc, je garde ça sous le coude. On sait jamais. De toute façon, si jamais il y a une session farm, je reprendrai là où je me suis arrêté. Je suis comme ça, je suis généreux. Alors. Ok, j'ai vu où je devais me rendre. Ok. Ok, j'ai le chemin. Chemin optimal, on y va. Normalement, il y a un chemin là, ensuite un chemin plus haut. On descend très légèrement sur la droite et on fait gauche-droite. Moi, j'ai retenu comme ça. Mais il faut soigner tout le monde tous les 5 mètres. Hein. Sinon, c'est pas amusant. Non, c'est pas ce que je voulais. Petit rangement. Enfin, mettre de l'ordre plutôt. Sort. Ok. Alors, hop. Hop. Impeccable. Je vois la sortie, je la vois. Enfin, je vois la suite, plutôt. Pas la sortie. C'est un réflexe, un lapsus révélateur. Qui veut dire que je veux sortir parce que c'est compliqué comme endroit, là. Hein, n'est-il pas? Hop, et on monte. Alors, là... Ok, donc là, je sais pas quel étage je suis. Je suppose que je dois être à l'étage peut-être 3 ou 4. Sûrement. Parce que déjà, pour rentrer, il faut payer 100 balles. Que j'ai largement remboursé, quelque part. Alors... Ok. Oula, ça doit être la fin. Ah, je ne me souviens de rien. Je ne me souviens de rien. Mais comment se fait-ce? Oh. Ah oui, ah mince. Ah non, non. Alors. Je suppose que là, c'est le boss. Voilà, grosse supposition. Seulement, comme vous le voyez, j'estime que je ne suis pas à la hauteur, dirons-nous, avec l'équipe là. Non, j'aimerais parler au vieux. Donc peut-être qu'il est possible que je fasse une ellipse pour farmer. XP. Alors là, je ne me souviens de rien. Ok, donc là j'estime que c'est le boss. Bien, je vais faire ce combat et je vais tenter deux choses. Je viens de faire trois avec mon doigt, c'est complètement stupide, vous l'avez pas vu. Première chose, je vais donc m'arrêter, faire une save et tenter le jeu, enfin tenter le boss comme ça. La deuxième solution, si je n'arrive pas avec la première, c'est d'aller farmer et de revenir ici si jamais j'explique un petit peu mieux. Bref, vous m'avez compris. Du coup, vous n'allez pas le voir, mais il y aura une micro-coupure.
et on va les reprendre tout de suite après. Micro-coupure, donc, solution numéro 1. Avec mon équipe actuelle et le niveau actuel, je vais tenter le boss, qui est donc ce vieux. Je suis en train de détruire la mémoire de ce vieil homme. Ah, vous vous demandez pourquoi? Eh bien, ici, quelque chose qui s'avère être dangereux pour mon dieu. Tout ce qui est dangereux, je le détruis. Je vais te mettre dans la confidence, Ryu. C'est moi qui ai effacé de toutes vos mémoires ce que vous avez fait à Portail. Ah mon dieu! C'est une plante. La dernière fois, j'ai juste détruit les mémoires, mais cette fois, je vais vous détruire vous! Oh. C'est un bon. Oh. C'est un magnifique boss parasite qui s'appelle Al-Amel. Alors Ryu, ça fait un moment, montre-nous le cri du dragon de feu Nina. Nina, tu n'as pas un petit sort de flamme? On va tester un sort de flamme classique. Oh non, tu sais quoi, on va tester un flamme 2. Aspa. Silence, ça passera jamais, mais pourquoi pas. Et mon cher. Allez, éclair. Tiens, oublie ta magie. Je suppose que ça devait m'enlever mes points de magie. Ça ne l'a pas fait. Je suis très content, j'ai gaspillé tous mes points de magie dans rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le feu. C'est... Oui, d'accord. Ok. L'éclair. Ok, alors on va garder le feu pour le moment. Donc Nina va me faire un froid. Alors a priori, froid, ça me fait... Non, j'ai pas essayé froid. On va essayer froid 2. Aspa, bon, bah ça marche pas, écoute, bah attaque, et l'end attaque. Oublie ta magie, oui c'est bon. Et il va me faire ça combien de fois? Ça n'a pas l'air de marcher. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est moi qui ai beaucoup de chance? Alors froid, qu'est-ce que ça fait? Froid qui fonctionne de ouf gueudin. Eh ben parfait. J'ai envie de vous dire parfait, la strat elle est toute trouvée. Nina qui va bourrer les froids 2. Ah. Ok, mais j'ai toujours froid. Donc froid. Aspa, t'as un sort froid et l'end. Ok. Je viens de comprendre. J'ai mis un petit peu de temps. Je suis un petit peu con. C'est moi, c'est ma faute. Mais froid qui est ultra utile. Enfin, froid 2 qui est ultra utile. Alors que. Bah non, en fait, t'as rien. J'ai pas un sort réveil. Non, j'ai pas réveil. On va mettre plus de défense sur Nina quand même. 53, ça pique. Et sur... Sur machin aussi. Défense plus. Sur l'end. J'avais oublié son nom, c'est... agréable. Donc en fait, ça annule... Enfin, ça me fait oublier un sort... que j'utilise pendant le tour, lui utilise le sort pour me faire oublier. Donc là techniquement j'ai utilisé défense plus. Aspa ne se souvient plus de défense plus. Ah non, il oublie un sort au hasard. Enfin des sorts au hasard, ouais. Donc pourquoi pas, écoute. Nature servira à rien, du coup autant attaquer. Là par contre, ouais c'est bon. Oh là là, un seul. Il y a que moi qui suis en vie. Allez, attaque un des trois. Attaque un des trois, putain. Riposte, donc double à doublette. Avec un coup fort.
Je vais utiliser non pas un sort mais un objet pour me soigner. Ah merci. L'End se réveille. Du coup l'End va pas se soigner mais attaquer. Ah ouais, par contre c'est chiant si tu utilises Vando à chaque fois. À un moment il va y avoir anti-jeu, ça va pas me plaire. À un moment il va se passer un truc. Je vais le regretter fort. Sort. Bon bah évidemment il se rappelle plus de rien, donc ça doit être définitif comme sort. Bah parfait. Parfait. Riposte. Paf dans tes dents. Donc ouais, il y a que Ryu qui peut s'en sortir et encore. Ryu, tu vas te soigner. Mon cher Ryu. Nina, je suppose que ouais, c'est à chaque fois c'est en train de te bouffer. Du coup, autant être utile et baisser de son attaque. Donc ouais, ça fait oublier un sort au pif. Ce qui m'empêche de jouer magie. Donc, nouvelle stratégie à avoir, c'est de bourrer froid 2 jusqu'à ce que je l'oublie. Échec. Oh bah mince alors. Ryu et Nina. Elle oublie ses sorts vraiment, vraiment, vraiment au compte-goutte. Et bah du coup, qu'est-ce que j'ai pas essayé? On va dire éclair, tiens. Pendant qu'il se défend. C'est un combat qui va être très long, je pense. Ouais, 25 par coup, c'est pas ouf, incroyable. On va rester sur froid. Ça va être très très long. Ah bah voilà. Voilà. Quel boss facile. L'End de 22, parfait. Ah, je ne peux pas lutter contre ses pouvoirs. J'ai déjà détruit la plus grande partie de la mémoire de ce vieil homme. Ah, c'est trop bête. Éradication. Yes. Pardon? Mais non. Au revoir. Au revoir. Oh. Qu'est-ce qu'il me fait? Oula. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, il se passe des choses. Ah, j'ai peut-être une idée. J'ai parlé à cet homme, si il me répond, je me souviens de rien. Je fuis, je me soigne, je vais voir le magicien. Qui est dans le village en haut, et peut-être qu'il y aura une solution. Peut-être, je ne sais pas encore. Et il faudra aussi que je pense à acheter du soin. Comme vous l'avez vu, le 13 000 d'XP réparti en 4, c'est pas super optimal. Alors, le vieux. Non, encore en bas. Non, encore en bas, ici. Ah, le démon est venu en moi. Alors, je ne me rappelle plus bien. Ah, il y a longtemps, un guerrier dragon menaçait 7 hommes braves pour combattre un être très malfaisant. Et je me souviens plus. Je vais faire avec les deux autres. Hein. Oui, j'ai un peu de temps comme ça. J'ai un peu de temps. Écoutez, il faut rallonger, trouver des idées. Ok, ça c'était peut-être pas une bonne idée. Ça, peut-être que je pouvais me passer de cette idée. J'ai eu un réflexe, j'ai le doigt qui a ripé. Par contre, si la Nina meurt, problème. Merci. Bon, écoutez, utiliser des objets. Ah bah c'est bon. Il m'en reste que 3, vraiment.
on va vite parler aux vieux qui sont là. C'est pas clair dans mon esprit, mais il y a un homme qui utilise les pouvoirs du démon pour posséder les gens, pour faire des choses horribles. Et le nom de cet homme est... Et son nom était... je me souviens plus. Notre dieu, c'est ce que le démon a dit. Un diable, c'est mal barré, un diable qui utilise un démon, pareil, ça peut être... je me souviens plus. Donc c'est quelque chose, mais... je sais pas. Je sais pas trop. Parce qu'il y a quelque chose en dessous qui a changé aussi. Faut voir s'il y a des choses qui ont changé. Ouais, ça a pas changé. Du coup, Nina, ma petite Nina, sors. Hop là. Parfait, parfait. Je vais quand même voir si le vieux là a un truc. Convincé, ouais, non? Oui, d'accord. Donc, c'est par là que je dois aller. Donc, soin dans un premier temps. Et aller voir, je sais pas où. Hop là. Repos. Et on va voir au-dessus s'il y a quelque chose à faire. Ça se trouve, il y a un moyen, il y a un truc. Faut que je fasse une quête à la... Une quête. Non, merci. J'ai pas envie. Cassez-vous. Pas trop tôt. Alors. Moi, je voulais aller ici. Le vieux. Ah, je suis magicien de Gandalu. Ok, bon bah... Je ne sais pas, mais j'aimerais finir cet endroit. Du coup, je vais activer le pouvoir magique de la solution. Hein, c'est comme ça. Du coup, je vous retrouve dans... quelques secondes. Ok, je sais, hein, c'est moi, je suis complètement, je suis un petit peu bête, hein, c'était tout bête, il fallait juste sortir de l'arbre pour qu'on puisse finir cet épisode, donc du coup je vais voir lui, c'est lui, ouais, ah oui, alors j'ai Ryu qui est mort, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, écoutez, Ça se trouve, je sais pas pourquoi il est mort. Ah si, il est pourri, parce que c'est l'effet de pourri. Bon, je suis en train de faire n'importe quoi. Écoutez, je vais aller m'opposer à une auberge dès que je suis sorti. Ne vous en faites pas, ça ira assez vite. Donc, toi, oui, je vais sortir de l'esprit. Ta consort. Ok. Jusque là, t'as compris. Ok. Alors. Merci d'avoir vaincu le démon, les enfants. Ah, grâce à vous, je sens que je vais pouvoir me rappeler de quelque chose. Oui. Il y a quelque chose que vous voulez me demander. Pour le mode de tout, écoute, tant qu'on est là-dessus, on va finir sur la révélation. Le pouvoir du diable approche. Le pouvoir du diable est en train de prendre la vie des arbres. Tant que le diable ne sera pas détruit, ce monde continuera à perdre de la vie. Il y a des gens qui vivent au sud d'ici, qui veulent combattre ce diable. Hein, vous devez les rencontrer. Ok. Alors. Le diable, du coup. Notre dieu, c'est ce que le démon a dit. Un diable, c'est mal barré. Un diable qui utilise un démon pareil, cela peut-être. Je ne me souviens plus. Un démon. C'est pas clair dans mon esprit, mais il y a un homme qui utilise les pouvoirs du démon pour posséder les gens, pour faire des choses horribles. Et le nom de cet homme est... Son nom était... je ne me souviens plus. Et la dernière sur les dragons.
Le démon est venu en moi, alors je ne me rappelle plus bien. Il y a longtemps, Dracar et Dragon menacent cet homme brave pour combattre un être très malfaisant. Je ne me souviens plus. Bien, et ben on va stopper là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, espérons que ça vous ait plu, ça aura duré un bon moment aussi, mais que voulez-vous, Breath of Fire, ça dure des plombes, c'est comme ça, c'est des RPG. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit commentaire, un petit like, le commentaire si jamais vous avez des idées, des strats pour pexer les personnages, ça serait utile. De vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite des autres vidéos et du coup de Breath of Fire 2, et de vous abonner, bien sûr. Abonnez-vous, encore une fois, on le répète jamais assez. Et bien sûr, suivez-moi sur Twitter et Instagram où je suis le plus présent, où j'annonce un peu ce que je fais, l'avancement des projets, etc. Merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la suite de Breath of Fire 2.